tu fais quoi encore là? Tu fais quoi? Je suis en train de manger. Mais tu fais quoi? Pose ça là, pose ça. Tu fais quoi? Tiens, essuie tes mains là. Oh, reprends ta vie en main un petit peu. Tu fais que de manger ta vie. T'as grave grossi, frère. Et alors, ça fait quoi? Comment ça, ça fait quoi? C'est grave. Ta santé, elle est en jeu et toi, tu continues. Lève-toi, lève-toi. Mais toi, de profil. Oh, oh là là. Laissez-moi vivre en paix, j'ai le droit. Ah, t'as pas le droit, regarde comment t'es. Vas-y, laissez-moi tranquille là. Eh, Myriam, il faut lui baisser ses poches. Ah oui, il avait encore des trucs. Ça, c'est pas bon pour la santé. Ça reprend ta vie en main. J'ai plus de foot, tu fais plus de sport. T'es devenu comme ça, regarde. Arrête de manger. Touche pas, va. Va faire du sport un petit peu. The next day. Il m'énerve à faire que dormir, il est 14h là. Eh, lève-toi. Lève-toi, mec. Lève-toi. Lève-toi. Il m'arrive un truc de ouf. Qu'est-ce qu'il y a encore? Myriam, j'ai rêvé que j'étais obèse, j'étais en bas, j'avais arrêté le foot, je faisais que de manger, c'était une dinguerie. Mais tu rêves pas, tu vas rester comme ça pendant 24 heures. Quoi? Je vais rester gros pendant 24 heures obèse? Bah oui. Dans cette vidéo, Younes va être gros pendant 24 heures. Avant de commencer, sachez que c'est pas une insulte pour les personnes qui sont gros ou qui sont en surpoids. Moi, quand j'étais petit, j'étais en surpoids et c'était vraiment quelque chose de très handicapant. Donc là, on va se mettre à la place de ceux qui vivent cette période-là. C'est parti. Dans cette vidéo, je vais t'équiper d'un faux ventre et d'un gilet lesté de plus de 10 kilos. Je vais vraiment me mettre dans la peau, vraiment, vraiment, comme si j'étais vraiment gros. Je sais pas si ça va influencer la journée. D'habitude, ça, je le mets que pour une série à la muscu. Mais là, je vais devoir l'avoir toute la journée. Oh, est-ce que ça va un effet Non, là, pour l'instant, ça va. J'ai l'habitude avec Yacine de faire du sport et d'avoir ça. Mais avoir ça toute la journée, Myriam, ça va être chaud. Mon poids habituel est à peu près de 85 kilos. On va voir maintenant. Cette journée, je vais peser combien de kilos? Je pense qu'il va peser vers les 100 kilos, 101. 97,6 kilos. 100 kilos quasiment. Ça veut dire que, écoutez bien ce que je vais vous dire. Quand je vais prendre mon repas, quand on prend un repas, on grossit toujours. C'est normal, la nourriture, elle vient dans ton corps. Je vais peser près de 100 kilos pendant 24 heures. Non, moi, j'ai un truc à te proposer, Younes. Moi, j'ai vraiment un truc à proposer. Il faut vraiment arriver aux 100 kg pour que ce soit symbolique. Toi, tu fasses 100 kg. Ici, regardez ce que j'ai. Des bandes pour les chevilles qui pèsent 1,5 kg chacun. Mais tu vas me tuer, toi. Donc, ça veut dire qu'on va arriver aux 100 kg. Tu les mets à tes chevilles, comme ça, même tes jambes elles vont être lourdes. Voilà, vas-y, mets-les à tes chevilles, voilà, comme ça. Arrive avec la balance à famille, regardez-moi ça. 101,8 kg. Là, tu vas peser 100 kg aujourd'hui. On passe la journée, c'est parti. On commence cette journée par le petit déjeuner. On va manger léger, des petites Kellogg's, du jus et des croissants. Franchement, je vais pas abuser ce matin. Lunes, t'as pas compris une chose. Tu vas vraiment te mettre dans la peau d'une personne qui est gros. Là, tu peux pas manger ça parce qu'une personne qui est gros, elle peut pas manger. Tu déjeunes comme ça dès le matin. Mais pourquoi? Bah parce que une personne qui est gros, tu crois, va manger des Kellogg's, des croissants. Ça te fait encore plus grossir, ça te fait encore plus lourd. Faut manger équilibré, un fruit ou un légume. Yacine, ramène-lui un petit déj, s'il te plaît. Voilà le petit déjeuner de Younes qui va manger donc un fruit, une compote et de l'eau à volonté. Voilà, c'est ça, un petit déjeuner équilibré. Au moins, il va pas grossir encore plus. Non mais vous êtes pas sérieux les gars, une compote. Attends, je veux bien que les gros ils peuvent manger ce qu'ils veulent, mais donnez-leur au moins, je sais pas moi, un croissant. Par contre, ça vaut bien ton petit déjeuner parce que tu as rien d'autre manger jusqu'à midi 13h. La première chose que je ferais si j'étais gros comme ça va être dur de faire du sport, c'est de faire beaucoup de marche. Décidez d'emmener Myriam avec moi pour qu'elle puisse faire du vélo et moi je vais faire des pas à la famille, je vais beaucoup marcher. Ceux qui sont gros et qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à marcher si vous pouvez pas faire du sport. Les pas, le nombre de pas que vous allez faire, ça peut vous faire perdre du poids à gogo. Younes, tu peux me le remettre bien ça là? De quoi? Tu peux me le remettre au 1? Quoi, la vitesse 1? Ouais. Il faut que je monte dessus et que je pédale avec. Hein. Younes, tu m'as crevé mon vélo! Comment ça, je t'ai crevé ton vélo? Regarde la roue! Non, c'est une blague. Oh non, je suis désolé. Appuie sur la roue pour voir. Non. Si, blague, ouais, mais j'ai crevé. La roue. Oh, mais c'est une blague. Désolé, j'ai pas réussi à la mettre à la vitesse 1. Tu vas me le repayer. Hein. Mais c'est toi qui m'as dit de passer à la vitesse 1. Non, mais je t'ai pas dit de monter sur mon vélo, je t'ai dit de faire comme ça. Ah, je suis comme vraiment ça. Désolé, bah fais-le toute seule. J'ai comme crevé ça, voilà, là, je l'ai fait. Mais peut-être qu'il est pas crevé, peut-être qu'il faut juste le regonfler. Mais je vais tomber maintenant. Bon, les gars, ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de courir avec mon attirail 100 kg alors que normalement je fais 80 kg. Pour commencer, tu vas faire une ligne droite, donc jusqu'à là-bas, tu peux filmer. Tu vas devoir aller jusqu'à là-bas et revenir en trottinant. Myriam va t'accompagner en vélo à côté. Attends-moi, Younes, on part pas sans moi. Mais je crois je vais aller où avec mon poids là? C'est toi par passant. Ok, 3, 2, 1, c'est parti. Ah, Younes, t'es sûr que t'arriveras? Oui, il m'a rattrapé. Oui, les gars, il m'a rattrapé. Attends-moi, Younes. Je suis obligé de faire des levées de genoux comme ça. Je peux pas courir normal. Ah, c'est difficile ou pas? Ouais, franchement, on dirait que j'ai une armure. Ah, t'as vu les gens qui sont en surpoids quand ils font du sport? Mais je peux pas accélérer, genre, c'est impossible. Je peux pas accélérer. Non, je vais essayer d'aller à mon max. Je vous jure que wallah, je peux pas aller plus vite que ça. Je vous promets que je peux pas aller plus vite que ça. Oui. Mais c'est une blague. Mais attends, là, tu m'as rattrapé carrément. Je dois m'arrêter, je suis fatigué. Tu vois, tu peux pas courir plus de 2 minutes. Non, tu peux pas courir plus de 2 minutes. En fait, c'est ça, le surpoids. En fait, le surpoids, ça te permet de pas dépenser beaucoup de... Je comprends tous ceux qui jouent au foot avec moi, qu'ils étaient un peu balèzes. Ils me disaient, Younes, faut que je fasse une pause au bout de 3-4 minutes. Franchement, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Je peux pas accélérer. Je peux pas lever mes jambes comme je veux. Pardon. Donc, c'est pour ça que je lui ai dit, faut faire que de la marche. Je pense que de la marche, c'est jouable. La marche, tu penses que tu peux faire une 3 lignes droites? Vu que maintenant, Younes, il est gros, est-ce que tu penses que tu le traces? Bah, logique. En course. Ouais, vas-y. Vas-y, fais une course contre lui. Par contre, si tu traces Younes en 1v1 à la course, je te paye une pizza. Quoi? Ok, vas-y. C'est parti. Tiens-moi mon vélo, tiens-moi mon vélo. Okay. Mais tu sais que t'as aucune chance. Même avec 100, je fais 100 kilos, tu fais combien de kilos? J'en fais 34. 3, 2, 1, go. C'est une blague.
C'est une blague, je te jure, c'est une blague. Et encore là, j'ai pas mis toute ma vitesse. On recommence si tu veux, je mets toute ma vitesse. Je suis choqué de malade. Je veux dire, toutes les personnes qui sont en surpoids, mais c'est pas de votre faute, c'est parce que vous pouvez pas courir en fait. Même moi, quand j'étais petit, j'étais comme vous. Les gens, ils se moquent de toi, tu te sens pas bien. Donc... Vu qu'il fait chaud et que je peux pas rester au soleil, je vais faire que transpirer. D'ailleurs, j'ai mis des gros pulls pour pas qu'on voie mon ventre. Je sais que quand on est gros, on met toujours beaucoup d'habits pour pas que ce soit la honte qu'on voie notre ventre et tout. J'avoue, c'est normal. Si je serais vraiment gros, j'aurais mis plein d'habits. Donc là, le problème, c'est que tu vois, je vais rentrer. Et là, il y a des gâteaux. Si je mange, ça va être encore pire. Le pire, quand t'es gros et que t'habites en famille nombreuse, c'est que dans les frigos, par exemple, tu peux ouvrir, regardez ce qu'il y a. On a des glaces, des Mr Freeze. Donc je pense que je vais me prendre un Mr Freeze. Un Mr Freeze, c'est pas trop calorique si j'en prends que un. Goût dynamite. Si vous êtes gros et que vous voulez vous faire un petit plaisir, faites attention juste aux quantités. On va taper ça. Goût bubble. C'est quoi goût bubble? Oh, c'est incroyable. Wallah, les gars, c'est incroyable. Là, on va faire un foot, mais sans Younes, parce que si on fait un foot avec lui, pendant 2 minutes, après 2 minutes de foot, après, il va dire je suis fatigué. J'avoue, c'est relou. On va être dans un match et au bout du match, eh ben, il va dire je suis fatigué, je sors, je vais me reposer. Du coup, moi, je vais que nous deux, d'accord? Vas-y, c'est parti. Ok, Myriam, c'est parti, un VS1. Je pense que tu as la capacité de me battre. Oui, je pense. Ouais, crois-le. Ok, c'est parti. Tu vois, là, Younes serait déjà sorti, okay, par exemple. Ok, t'es prête? Photo, oui. Non! Hey, il fait grave chaud, hein, c'est un truc de ouf! Là, tu vas faire quoi là? Je pense que tu vas vraiment pouvoir me dribbler. Là, t'inquiète là. Vas-y, joue. Wow! J'allais tomber. Elle est tombée, bah il n'y aurait pas eu photo. Vas-y. Tu sais quand c'est des matchs comme ça là? Vas-y. Il n'a pas le droit, il n'a pas le droit. Protection de balle. Non, ouais. il n'y est pas, protection de balle. Monsieur l'arbitre! Petit pont. Ça joue. Non! Hey, les gars, j'ai un peu d'énergie, j'ai pris un petit Mr. Freeze. Mais tu fais quoi là? Tu fous la rage là, tu fais quoi? Tu prends un Mr. Freeze! Mais pourquoi j'ai le droit? Bah non, t'as pas le droit, t'es en surpoids, tu prends un Mr. Freeze! Pourquoi les gens en surpoids, ils peuvent vraiment avoir aucun plaisir? Bah oui! Jusqu'à qu'ils maigrissent! On va voir si c'est vraiment beau, si c'est un forceur juste parce qu'il est gros. Elle parle bien. Ouais, bon, je préfère celui au coca, moi. C'est pas bon? Ah, les gars, vous savez, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser aux têtes brûlées, là, les ronds là, que tu manges et que ça pique même dans la bouche. Sauf que celui-là, il pique pas, c'est incroyable. Moi, les gars, faut que je m'assoie, je peux pas rester longtemps debout parce que ça me fait mal au dos, j'ai mal aux genoux, aux jambes. Je peux pas rester debout. Je vais aller m'asseoir, je suis obligé, je dois aller m'asseoir, les gars, souvent. Je peux pas rester longtemps debout. Younes, et la chaleur, en fait, t'as fait quoi? La chaleur, ça va, mais le pire, c'est que je peux pas rester longtemps debout. Genre, ça me fait mal aux chevilles, mal au dos, et quand je suis assis, là, ça fait du bien. Donc, franchement, c'est vraiment atroce. Je peux pas vivre ma vie d'habitude. D'habitude, je cours partout, je fais du sport, je suis content. Là, je suis obligé de rester assis tout le temps. A few moments later. Tout à l'heure, je suis choqué, les gens, comment ils me regardent. On dirait que je sais pas ce que j'ai sur moi, j'ai un handicap ou quoi, mais les gens, ils sont en train de me fixer, genre en mode ouah, c'est lui. Sachez que quand vous voyez quelqu'un qui est gros ou quelqu'un qui est handicapé ou obèse, ne le regardez pas bizarrement, c'est un être humain comme vous. C'est juste que dans sa vie, peut-être qu'il a passé une épreuve difficile, peut-être qu'ils ont perdu un proche, mais les gens, comment ils me regardent, je suis choqué. Tu fais quoi? Il y a Zach. Bah, voilà, vu que les gens dans la rue, ils me regardent de travers, je suis rentré à la maison, et eux, au moins, ça va être mes vrais amis. En ligne, ils savent pas comment je suis, ils savent pas que je suis gros, ils savent juste que je suis un joueur Fortnite. Ça, c'est pas salut une Marco Tricolo, j'espère que tu vas bien, vas-y, on va jouer, let's go. C'est pas une vie d'être comme ça toute la journée. Les gens ils me regardent de travers et ils m'insultent. Je crois que je vais aller dehors pour que après je vais pleurer devant tout le monde. Exactement ce qui m'est arrivé quand j'étais jeune, étant donné que j'étais extrêmement gros, que les gens se moquaient et que tu peux pas faire de sport ni rien. Je passais toutes mes journées sur la console à jouer toute la journée parce que je me renfermais sur moi-même. D'ailleurs, j'ai un message à faire passer aux parents qui regardent la vidéo. Si vos enfants se reconnaissent dans ce qu'on est en train de vous montrer, c'est à vous de les aider là. Quand vous allez faire vos courses, essayez de faire des courses équilibrées, ne pas acheter de pain au chocolat, ne pas acheter de gâteau, de sucre, histoire que déjà dans leur alimentation, ils ont quelque chose de sain. Essayez de faire des activités avec eux, prenez les dehors, allez jouer au foot. Du coup, comment t'as fait pour perdre tout ce poids là? Moi, personnellement, comment j'ai fait pour perdre du poids? Écoutez, hein, je me faisais tellement insulter que dans ma tête, j'en pouvais plus. J'ai perdu 38 kilos en un mois. Je mangeais plus du tout. Toute la journée, je mangeais une feuille de salade, j'achetais un tapis de course, je courais toute la journée sans m'arrêter. Et c'est quelque chose qui aurait pu me coûter la vie. Le médecin m'a dit que c'était très dangereux ce que j'ai fait. J'ai eu des problèmes de santé d'ailleurs par rapport à ça. Mais j'ai fait ça une sèche extrême. Pourquoi? Parce que je me faisais juger, je me faisais insulter. C'est pour ça que je vous dis, c'est très important de ne pas insulter les autres et ne recopiez pas ma technique parce que ma technique à moi, ça aurait pu me tuer. 38 kilos en un mois, mais c'est énorme. Je vais préparer un peu à manger parce que depuis tout à l'heure, on fait que de parler de manger et la police, elle me suit toute la journée, donc je vais faire une recette saine. Là, tu peux pas dire que c'est pas sain. Je vais prendre la salade. Ouais, ça va, pour que le coup, c'est vraiment sain. Logique, frère. Hey, par contre, je transpire alors que je fais rien, je fais même pas de foot. Je transpire plus que si je faisais du foot, c'est un truc de ouf. Je peux mettre un peu de fromage quand même. Frère, je vais manger quoi? Des cailloux. Et on finit par des tomates. Fruits et légumes à volonté par contre. Ça veut dire que quand on est gros, on peut vraiment pas se faire plaisir, jamais de la vie. Bah, c'est pas jamais de la vie, c'est que trop abuser du bail pour être comme ça, c'est normal. Donc là, je dois perdre du poids et après, je pourrais me refaire plaisir de temps en temps. Bah, de temps en temps, pas tous les jours. Tu faut fumer, j'ai besoin de perdre du poids s'il te plaît. Ah ouais? Comment je fais? J'ai envie de perdre du poids. Oh, j'ai une idée. Tu veux faire des pompes? Attends, je vais essayer.
Non, c'est pas une bonne idée, je pourrais pas en faire beaucoup, frère, je fais 100 kilos. J'ai une idée, on va te faire faire du sport en s'amusant. Tu vas courir partout, moi je vais essayer de te toucher au pistolet. Oh ouais, ça peut être marrant, vas-y. Il est lent, les gars, je vais pouvoir l'allumer, vous allez voir. T'es prêt? Tu m'attraperas pas. Wesh, mais comment c'est possible? J'arrive même pas à me déplacer. Allez, la technique des gros. Oh mon dieu, mais là c'est pire, c'est pire, c'est pire, c'est pire. C'est bon. Mal au genou, faut que je me rassoie. Allez, faut que je me rassoie. Par contre, les amis, c'est vraiment catastrophique. Il peut vraiment rien faire. C'est-à-dire qu'il joue 30 secondes, il fait du sport 30 secondes, il est obligé de s'asseoir toutes les 30 secondes. Donc c'est vraiment un truc de ouf. Alors imaginez-vous s'il y a un danger, genre je sais pas, je me fais courser par un chien. Mais le chien, il va m'attraper. Si alors, je sais pas, je tombe sur un fou, il a une arme blanche bizarre, on doit courir. Mais comment je fais? Je suis foutu. Ah non, là les gars, il faut vraiment que je perde du poids. Si je me retrouverais dans cette situation, je perdrais du poids très vite. Faut même pas rester comme ça, les amis, regardez la collection de maillots qu'on a, c'est une dinguerie. Vu que nous on kiffe le foot, on a plein d'équipes, plein de maillots. On pourrait faire un magasin. Il y en a qu'on a acheté en Turquie, on les a achetés normal. Il y en a, c'est Adidas comme celui-là. Adidas nous l'a offert, c'est pas une dinguerie. Puma. Celui-là, Puma, il nous l'a offert, c'est pas une dinguerie. Puma, il nous a offert le maillot de City. Et moi, je m'habille qu'en maillot de foot. Donc là, on va essayer de se changer. En plus, moi, regardez, j'ai quel maillot. Toi aussi, t'as le Real Madrid. La famille, essayez de deviner, il a quoi comme maillot sur lui actuellement là en commentaire. Ah, celui-là, là, si vous devinez, vous êtes chaud. Comment tu vas faire pour te changer, Benzé? Mais ça, c'est pas trop petit pour toi. Ok, c'est parti, Younes, il va se changer la famille parce qu'il transpire comme un fou. On va mettre le maillot de Benzema. Par contre, le maillot, il est serré. Hein. Oh, il est serré, Younes. Hein. Oh non. Ouh là 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 là, le maillot, il est serré de fou. Vous voyez, c'est ça, quand on est en surpoids, il y a certains maillots qui nous allaient avant, qui nous vont Là, regarde, là, t'arrives même pas à le baisser en plus parce qu'il est bloqué par ton bidon. Alors, c'était comment ta journée de gros? Pour être honnête avec vous, j'ai très mal aux épaules et un peu aux genoux et aux chevilles avec le poids. Moi, dans ma vie, tu vois, j'ai toujours, alhamdoulilah, été en bonne santé et les gens, ils m'ont pas regardé bizarrement, tu vois. Et là, j'ai vu des gens me regarder assez bizarrement comme si j'avais quelque chose de bizarre sur moi. Cette vidéo-là, elle est pour toutes les personnes qui sont en surpoids. Ne vous laissez pas abattre. Plein de personnes en surpoids ont perdu du poids. On va vous laisser là. N'oubliez pas de mettre un gros like et abonnez-vous. C'était pas une vidéo pour se moquer très loin de là. Au contraire, c'est une vidéo pour vous motiver la famille. Non, les gars, même si vous êtes dans la rue et que les gens ils vous regardent mal, ça sert à rien de faire une dépression et tout pour ça. Essayez de faire un régime, allez voir les nutritionnistes et bah... Et même si vous êtes gros, on vous aime quand même.